Alors, vous êtes venu en famille. C'est quoi? C'est les trois? Toi? Ouais? D'accord, donc c'est quand même une famille, dis pas non non en fait. Je dis alors vous êtes tous les trois, il me fait non non, non non. Ça c'est ma copine déjà, déjà. Mec, y'a aucun problème. J'ai jamais essayé de te caser avec ta mère, t'en fais pas. Pas de soucis mon frère. Si je devais me dire tiens laquelle est la copine, j'aurais mis ça. Et en même temps si ça avait été l'inverse, j'aurais été là motherfucker. Ça c'est ma meuf et ça c'est sa fille. J'aurais été là wow, oh, oh, oh. Alors annulez le spectacle parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à parler. Je vais m'asseoir avec vous. Ça aurait été merveilleux, merveilleux. Donc ça c'est ta copine et tu es mise à côté de ta mère. Et est-ce qu'il y a eu ce moment quand tu t'es assise, tu vas pas oser le dire parce que ta belle-mère est juste à côté, mais quand t'as vu que lui se mettait au bout, est-ce que tu t'es dit oh, fille, je vais être à côté de lui. Ah le je vais être à côté de sa mère, le t'es obligé de te mettre au bout là. Assieds discrètement. Attends, je peux me mettre au bout? Non, non, vas-y, assieds-toi là. Ah le parce qu'on sait ça. Vous vous entendez bien, j'imagine. Évidemment. Vous avez entendu la petite voix? Évidemment. Ils sortent, on sort de Noël. Tu sens que c'est encore tendu là. Hein, la bûche. Merci la bûche. Hein. Ah ben merci Bernadette la bûche. J'ai regardé l'interprétation des rêves. J'adore faire ça quand on rêve d'un truc un peu. Tu vois, des fois tu rêves, tu manges une araignée, t'as une licorne sur la tête et t'as qu'un bras. Tu dis, tiens, j'ai envie de comprendre ce que ça veut dire quand même, tu vois. C'est. Il y en a qui le font, ça, qui regardent l'interprétation des rêves. Okay. Non, mais je me suis dit que. On allait passer une bonne après-midi. T'es good vibe, hein, toi. Hein, j'ai pris la dépressive de la salle, hein. J'ai fait fort, hein. Ah ouais, que ton père mourait. Il est à quel âge, ton papa? 54. 54? Ah ouais, ça va, t'as le temps. Ouais. C'est un truc qui revient souvent? Non, j'ai fait une fois. Ah, tu l'as fait une fois, ouais. D'accord, t'as pas regardé ce que ça voulait dire sur... Si, j'ai regardé. T'as regardé? Ça veut dire quoi? Que je suis une merde et que je... je crois que ça voulait dire que j'étais inquiète pour lui. Que t'étais inquiète pour lui? Ouais. Oui, bah, je pense que tout le monde était inquiet pour ton père, hein, c'est... C'est pas que Google, hein. Je pense que tout le monde est inquiet pour ton père, je dirais. Je rêve qu'il est mort, il a 54 ans, je pense que c'est normal d'être inquiète, hein. Enfin bon. Il y avait ça que je voulais vous dire. Quoi d'autre? Si je vais faire un peu d'interaction avec le public, je vous préviens. Par applaudissement, applaudissez si vous êtes ORL. Et que vous pouvez me caler un rendez-vous demain sans faire payer des consultations à 150 balles. Non, ben c'est mort. Attends, j'aurais tenté ma chance. Le frère à Karabatic. Toi, tu le sais, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il lui ressemble vraiment. C'est ton frère? Mais non, il a rien de toi, frérot. Vous êtes tous les deux beaux gosses, ceci dit. Vraiment, par contre, ça c'est vrai. Mais par contre, frérot, t'as pris beaucoup, beaucoup plus le côté russophobe de... Vous êtes quelle origine? Russe? Mais ce que je viens de faire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on est d'accord, vous n'êtes pas complices. Vous êtes deux à qui je viens de parler. On est d'accord, les gars, je vous connais pas, vous me connaissez pas, c'est la première fois qu'on se parle, et j'ai deviné vos origines. Je suis un monstre. Mais rigole pas, parce que c'est la vérité. Toi, t'es là, tu te fous de ma gueule, et c'est vrai, je suis trop fort. Je suis trop fier de moi, ce que je viens de faire. Non, en tout cas, enchanté, les gars, bienvenue. Ah, donc du coup, vous... Ben ouais, j'ai vu, en deux secondes, c'est devenu deux frères, hein, c'est... Ah, t'es russe, moi aussi, donc ça fait plaisir. Et non, c'est toi aussi russe? Non, du tout. Ah, là, j'aurais dit, c'est fort, vraiment. J'aurais dit, la russe métisse, ils sont de partout. Les russes, j'allais dire, là, ils sont vraiment partout. Non, bienvenue, les russes, c'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu peur maintenant, parce que vous êtes devant et...
Voilà, c'est moins rassurant pour moi. Ah, oh, je rigole, vous êtes les bienvenus, bienvenue à vous. Et ça, si vous êtes venus avec mesdames, spectacle, c'est ça? Pas du tout? Elles ont très peur, elles aussi. J'ai pas demandé vos prénoms, c'est... Vlad. Ah ouais, c'est vrai. Vrai russe, quoi. Vlad. Vladé. Julian. Julian. Hey, Julian, Julian, hein? Est-ce que vous êtes chaud pour accueillir la première de la soirée, mesdames et messieurs? Oui. Je sens qu'il y a une ambiance extraordinaire, pas vrai, madame? Je sais pas pourquoi je me suis arrêté à vous, mais vous m'avez interpellé. Elle parle pas français? Dites la vérité, franchement. Tu comprends pourquoi je fais de l'humour? Je suis le seul gars. Je monte sur scène, je m'adresse qu'aux... Mais je fais pas exprès, hein. C'est même pas méchant. C'est-à-dire que les gens... Et le pire, c'est que moi, quand je lui parle, je la vois, hein. Quand je lui parle, elle me regarde, genre... Elle m'a fait un regard de... Fils de... Nous comprenons. Il y a votre daronne, voilà. Madame, vous, you speak English? Non. Qu'est-ce qu'elle... Quelle langue? En russe. En russe? La vue de ma mère. Il y a ton fils. Your son is here. Your son, Julian. Julian. Ah, les gars, tu peux faire le tour de France des comedy clubs, jamais tu vivras cette situation. Spasiba. Toi-même. Je parle un peu, hein. Ben écoutez, ça fait plaisir. Les mesdames.